dit qu'il ne peut pas avoir de développement dans une injustice, dans une inégalité. Dit que si on veut aller de l'avant, il est temps de se donner la main, il est temps de se prendre pour égal. Il dit que ça fait plus de 500 ans. On habite dans le même village. Ma fille ne peut pas épouser ton fils sous prétexte que je suis un esclave et lui il est un noble. Est-ce que votre islam n'y a pas de problème? Il dit qu'on se proclame musulman. L'islam interdit l'esclavage. Est-ce qu'on est des musulmans? On a tout musulman et photo et salle à nous y en a autant. Dit qu'on fait que la prière, mais on n'est pas des musulmans. Parce que, regarde, l'esclavage mourir à l'exit de Kébé et djihad ou banan. Dit que l'esclavage était permis au temps de du djihad, mais le djihad n'existe plus sur terre. Donc, au coup, au bangé, comme à vous, en a raga, moukébé ganaraganda y en kibete, en attendant à comme égoua. Dit que chez nous, quand un étranger vient dans le village sonique, à un moment on te donne une esclave. Et c'est en ce moment que vous allez héritier de l'esclavage. Oui, il dit bien fait, Allah m'a dit, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Dit, à un moment aussi, on volait les jeunes hommes, les adolescents, et puisqu'ils étaient inférieurs, ils n'avaient aucun moyen, on les transformait en esclavage, ils ne savaient plus où aller. Donc, on a dit qu'il n'y a pas de temps, on a il demande à tous les Sénégalais du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie, d'oublier cette pratique barbare qui ne mène nulle part. Il vous remercie tous pour le déplacement, pour l'organisation de cet événement qui n'oubliera jamais. Merci beaucoup.